avec ce petit pas, Serge Nzanzou Mouissa et Rebecca Kavira Kalere s'apprêtent pour un acte historique de leur vie. Une vie que ces deux jeunes gens devront désormais partager ensemble. Ayant demandé la main de Rebecca auprès de sa famille il y a quelques mois, Serge se présente avec cette dernière pour officialiser leur union devant la nation. Avant de sceller l'alliance, le préposé de l'état civil en commune Kimemi reçoit les deux candidats à la vie conjugale avec enthousiasme. Il leur prodigue quelques conseils. Prévenant chacun des deux de sa responsabilité, Rebecca a accepté que Serge est le chef de son foyer. Ce dernier, lui, a juré fidélité et amour à sa partenaire. Les deux partenaires acceptent de tout partager ensemble dans leur foyer. Le préposé de l'état civil appelle le couple à bâtir sa vie sur la confiance, l'honnêteté et surtout le dialogue. Tout ceci dans le respect mutuel. Serge et Rebecca s'engagent alors à s'aimer quelle que soit la circonstance. Je prends toi, Kavira Rebecca, pour épouse. Je m'engage à toi pour t'aimer et rester fidèle à toi. Te respecter et remplir loyalement mes fonctions d'époux conformément au code de famille. Devant Dieu, la nation congolaise et des témoins, moi, Rebecca Kalere, je te prends Serge Nzanzou pour époux. Je m'engage à toi pour t'aimer, rester fidèle à toi, te respecter et remplir loyalement mes fonctions d'épouse conformément au code de la famille. Ils paraphent leur engagement avant d'être déclarés mari et femme devant l'État. Serge est déclaré marié. Bonaké na maman. Rebecca. Rebecca n'a pas déclaré. Maman a tout. La papa Serge. Tu pas qu'à qui font job et t'abattre. Un acte de mariage à l'heure remis pour certifier cette union. L'après-midi, Serge et Rebecca se sont présentés devant l'assemblée chrétienne de la paroisse Saint-Cyril d'Alexandrie pour témoigner leur alliance. Devant des centaines de témoins, ceux-ci se sont vus rappeler l'importance de bâtir leur union sur les principes chrétiens. En combinant conseil au verset biblique, le célébrant de la messe a appelé les deux époux à ne pas se laisser secouer par les vagues de la mode. Tout celui qui vit au gré des vagues, au gré de la mode, va aller jusqu'à amener cette mode à l'église et va s'unir par plaisir, par habitude, parce que les gens se marient, alors moi aussi, je me marie. Attention, le démon est là, il ne va pas t'observer. Il y a les torrents, il y a la pluie, il y a le vent fort. La parole de Dieu, c'est elle qui nous donne la force pour vaincre tout cela. Le président de l'Eucharistie a fait jurer aux mariés fidélité. Serge et Rebecca consentent chacun et acceptent d'assumer leurs responsabilités. Chérie Rebecca, veux-tu être ma femme? Oui, je le dis. Et toi, Serge, veux-tu être mon époux? Oui, je le dis. L'alliance est scellée. Le serviteur de Dieu à son tour déclare officiellement l'union de Serge et Rebecca devant la communauté chrétienne. À la fin de la célébration eucharistique, les nouveaux mariés se sont rendus à la Lourdes pour réciter la prière à la Sainte Vierge Marie, dont ils promettent de suivre l'exemple pour le reste de leur vie en couple. Serge Nzanzou et Rebecca Kalere, la Moto TV vous souhaite fidélité et longévité.